Ouais, sur route de commerce, on va acheter une petite carte graphique. On prend une RTX 3070. Une 3070. Alors, c'est trop cher. Oh, c'est pas cher, une 3070, une vanité sans plus. Quoi? Il y a une vision. Le stock. Quoi? De stock. Bon les gars, c'est pas le moment d'acheter des cartes graphiques les gars. Du coup, lancement les gars. Il n'y a pas de faire des biens pour une nouvelle vidéo, c'est Blade Revo. Aujourd'hui, nous allons faire un. Je vais vous donner des. Mais je vais vous donner trois. Je vais vous montrer des trucs, des tops, des bonnes souris en promotion. On n'est pas le jour des promotions les gars. Aujourd'hui, une pâte graphique. Du coup, on achète des périphériques, les gars. Bah oui, t'as quelque chose, gros. Et t'as oublié un truc. Les pouces bleus, l'abonnement et la cloche, ok? Ok, c'est bon? T'es calmé? Allez, les gars, on tourne sur la première souris. C'est la Hockey Elite Knight. Donc, c'est une sans fil. En USB, tu branches au PC. C'est une petite clé. Et pour la recharger, tu la branches avec un câble. Et t'as. Si vous voyez, je vais vous montrer plusieurs photos là. On la voit bien. Regardez, en fait, vous avez le bouton en haut, un bouton en bas et t'as une molette entre. Et t'as le bouton de dépit. Elle a 16 minutes de dépit donc c'est très bien. C'est comme ma souris à moi. Ma G502, elle a aussi ça. Donc, elle est bien. Franchement, pour son prix, ça va. On passe à la G402. Donc, si vous avez des grandes mains, je vais pas vous la montrer. C'est plutôt pour des petites mains. Elle a 4 minutes de dépit donc c'est beaucoup moins que la OK. Elle est léger, rapide, c'est une G502 quoi, en petit format. 42 euros pour la trouver à 25 euros, je vous jure pour le Black Friday à 25 euros. Donc on passe à la troisième souris, la Desader, Razer Desader. On la présente plus les gars, elle est trop bien, elle est trop bien cette souris. Donc c'est une souris, 32 euros les gars. Achetez-la, bordel de merde les gars. Après vous avez pleurniché vers moi, vous avez pleurniché partout, vous allez dire « Eh mais ma souris, elle est trop chère !» Fallait qu'elle l'achète maintenant, bah oui. Du coup les gars, en vrai c'est pas le format, c'est un peu comme une Mamba, vous voyez. La Mamba c'est ceux qui ont la ref. Donc excellente affaire. On passe au pack clé souris, donc on commence tout d'abord avec le K55. Non, ah non les gars, les packs c'est après, donc on passe au clavier là. Donc c'est le K55. Je le possède... à côté de moi, mais membrane, touche média, de média, tu peux verrouiller. En fait, le bouton verrouiller, c'est pour verrouiller Windows, t'as pour tes macros, la musique. Si t'as un PC, tu le synchro sur IQ. Regardez, c'est le seul défaut pour moi, c'est qu'il a des macros. Ouais, il est résistant à l'eau, IP42. Bon, je m'en fous un peu, frérot. 54 euros, franchement, prenez le moins cher, c'est bien. Vous n'avez pas peur votre argent. Les gars, on passe au câble suivant. Donc avec un à 50 euros, ça va, une bonne affaire. Un The D-Lab, on ne sait pas comment on dit. Caisse carbone E que je possède actuellement. C'est un AZERTY. Il n'y a pas de logiciel. Enfin, dis-moi comment dire, c'est des logiciels pour les claviers The D-Lab, je me demande. Et pour changer le rétroéclairage, vous voyez mon curseur. Vous êtes sur FN. Vous restez tapé, vous faites insert. T'as plein de modes d'éclairage, mais blue. Franchement, c'est très bien. Très très bien. On passe au Cooler Master CK530. Donc, c'est comme l'autre. Un TKLS, donc ça veut dire 100. Tu vois, t'as 3 blocs. Et là, il n'y a que 2 blocs. T'as des où ils ont un bloc. Oui. Du coup, on a aluminium, un TKL, un AZERTY, un switch red en aluminium. Repose poignée avec, donc c'est la V2 de celui-là. Tu vois, en fait, si tu veux, frérot, la V2, ben avant il n'y avait pas ça. Du coup, les gars, en vrai, c'est le prix de base. Ouais, les gars, là, on passe au kit. On passe tout d'abord avec du. C'est du pain béni, les gars. C'est du pain béni. Il est béni, ton pain. Donc, un clavier Cooler Master, c'est mécanique comme un 455. Du rétroéclairage un peu partout. La souris, bon, elle a l'air bien. Les gars, dites-moi. Les gars, vous êtes prêts? Je vais vous lancer un défi de ouf. Si, avant le 1er mars,
On atteint les 10 abonnés et les 20 pouces bleus sur les vidéos. J'achèterai un de les produits que vous voulez que j'achète. J'en achèterai maintenant, mais avant 1er mars, les gars, si on a les 20 abonnés et 30, 20 plus sur cette vidéo, je vous fais. Je vous fais. J'ai acheté en fan unboxing. Donc, les gars. Oh non! Attendez, les gars, désolé, petit problème. On commence avec le. Attendez, les gars. Donc, on va prendre celui-là d'abord, on va prendre un sur l'autre. Donc, c'est le MSI GK30. Avec une petite souris. En général, les Messi c'est un peu cher, mais franchement, là. Les gars, je l'ai pris une fois la boîte en main, j'étais au Carrefour. Enfin, j'avais pété mon clavier. J'étais au Carrefour. Et celui-là, mec. Oh, la boîte, mec, frère, on dirait que je porte des 20 patates sur moi. Il est lourd. C'est bien d'avoir un clavier lourd, comme ça, tu vois, il te. T'as déclaré 2 euros de prime info, quoi, que t'as à l'école, quoi. Donc, t'es informatique. Mais c'est cool. Quoi, j'ai dit quoi, là? Non, non, non. Donc, les gars, bien, bonne affaire. C'est un peu comme un 1455. La souris, elle a l'air intéressante. Pour 76 euros, t'as les deux, quoi. En vrai, si il est moins cher, achetez-le. Parce que je sais que le clavier, il coûte moins de 50 euros. Voilà, donc on va passer au 1455 que j'ai perdu. Avec la harpoon, donc c'est un peu le périphérique de base, tu vois. Quand j'ai commencé dans le gaming, les gars, ça, mec. C'est Corsair, ça tient la vie. Je l'ai acheté fin 2020. Il est encore là. Il y a juste la touche express que j'ai fait. Elle est légère sur moi. Mais membrane. 60 euros. C'est un peu une souris gratuite, quoi. Du coup, voilà. Ils sont à faire. Y'a pas de soucis, frérot. Déjà, si parfois vous voyez mon vest, c'est juste que je regarde un peu le temps. Parce que... avec le Delta. Rock Delta Core, les gars, c'est un casque qui est hyper bien. France Hardware, là, ils l'ont présenté. Ça a l'air là un très bon casque. Ah, Alice Rock, c'est quand même cher, tu vois. C'est quand même cher. Il paraît qu'il y a une carte son intégrée dedans. Donc ça a l'air assez cool. Le micro, il a l'air pas trop. Il a l'air bonne qualité. 3,5 pouces. Donc, non, 3,5 mm. Donc vous pourrez le mettre sur votre. Bon, je voulais pas aller avec un Asus ROG dehors et un casque qui coûte 500 balles. Ouais, vas-y, je vais écouter du PNL. Du coup, les gars, je vous ai mis un peu mon casque à moi. Un casque, si vous avez du budget comme moi, j'ai économisé. C'est un. Les gars, en fait, petite anecdote, j'ai reçu le casque et j'ai enlevé parce qu'il y avait un truc. Une prise de 6,35 mm. Et en fait, je l'ai perdu. Et en fait, il faut une carte son pour ça. Et moi, je l'ai enlevé. Du coup, mon casque, bah, normalement, il a une meilleure qualité que ça. Mais en fait, non. Je suis un peu un boulet. Mettez en commentaire, la Drivo, c'est un boulet. Ok. Donc, on passe au casque micro. Parce que je sais, vous n'avez pas trop de budget. Donc, un petit casque à 50 euros, ça fait l'affaire, tu vois. Un dernier casque. Donc, c'est le G432. Moi, j'avais le G431, je pense, ou je sais plus quoi. Et en vrai, il était bien. Franchement, c'est confortable. Le micro est rétractable au-dessus, vous voyez. C'est pas trop lourd. 300 grammes, c'est bien. C'est léger, tu vois. Le mien, il est léger, je trouve, les gars. Donc là, on va passer au micro. Donc ici, je vais vous conseiller soit celui-là, si vous voulez vraiment un set de base. Les gars, on va remettre toi à zéro. S'il y a 20 likes. Non, s'il y a 20 abonnés le 1er mars. Et s'il y a les 15 pouces bleus sur cette vidéo, je vais acheter les périphériques le moins cher que vous me conseillez. Donc vous voyez comme c'est le kit, soit un kit, soit un clavier, une souris, ok? Donc les gars, j'espère que vous allez péter la barre des pouces bleus. Donc on commence avec mon micro que j'ai acheté hier en occasion, je vais faire péter. Les gars, c'est un trop bon micro, bon, c'est la qualité hein. Donc vous pouvez mettre sur un bras Neewer que j'avais avant, c'est à 15 euros. C'est un bon micro. Par contre, il y a des moments où je vais dévisser le pied, je me dis purée, c'est quoi ça? Mais c'est vraiment bien. T'as un câble USB vers l'USB d'un micro, comme un Rode. Voilà. Excellente affaire. En vrai, moins cher, ça c'est le prix de base. Ici, avec un micro cardioïde,
Ok, les gars, s'il y a des pros en micro, corrigez-moi. Mais je pense que cardioïde, c'est cardioïde, c'est genre ça capte pas trop le son de partout, je crois. Ou je sais plus. Ça, c'est un peu comme un bord de mémoire, tu dois acheter une perche. Hein. Je vous mettrai peut-être une perche en description si j'ai le temps. Si je le veux. Donc, les gars, je voulais un peu mettre un petit micro. Bon, les gars, je sais pas ce prix-là, 150 euros. Attends, il y a 2 semaines, il y a un mois, il coûtait 120 euros. Oh, c'est bien, mais le gâteau c'est trop cher, les gars. Franchement, t'as des meilleurs trucs pour ça. Donc, les gars, je voulais un peu faire une petite promo après le hardware, quoi. Donc, le Flop Space, je vais l'acheter en mars, je pense. Il a l'air trop bien. Franchement, il a l'air trop bien, les gars. 900 x 400, il a l'air une excellente affaire, quoi. Du coup, les gars, on va passer à l'écran. C'est pas une grosse promo, tu vois, de 20 euros. C'est un VA, c'est la dalle des 1 kV, 1080p, 144 Hz, FreeSync, DisplayPort, enfin, il est beau quoi. Il est très beau même. Il est très beau. Du coup les gars, en fait ici j'ai... Attendez. Ah non, ici c'est une erreur, c'est moi. Donc ici, je vous ai mis un kit. Donc avec un Ryzen 5 5600X. Il coûte 3 400. 300 euros, je pense, et 400 euros. Donc franchement, c'est une bonne affaire. Pour moi, personnellement, c'est une bonne affaire, tu vois. T'as un port PCI Express renforcé en x16, 3 Wi-Fi, 3 8, et t'as encore un, t'as 4 RAM. Franchement, c'est une bonne carte mère aussi. Donc les gars, on va passer aux 3 derniers trucs. Donc on a tout d'abord le i5 2400F que j'ai actuellement chez moi. Et franchement, 155 euros c'est bien, mais moins cher. À 140 euros, il était pendant le Black Friday, donc excellente affaire aussi, les gars. Donc, on passe au concurrent, à son concurrent, le R5 600. En 2020, les gars, on a tous dit, les youtubeurs ont tous dit, c'est le meilleur processeur. À 205 euros, franchement, c'est le meilleur prix pour lui, parce que avec la rupture des processeurs et tout. 6 cœurs, 12 threads, comme le i5 2400F. Donc, les gars, je vous ai. C'était pour l'intro. Donc ça. Donc les gars, est-ce que j'ai encore le temps de vous parler, les potes? Ouais, on a encore là, je t'en. Donc les gars, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. En termes de souris, je ne prendrais. Je voulais prendre celle-là. Mais je trouve qu'elle est trop. J'aime pas trop. J'ai vraiment envie de tester celle-là. J'ai vraiment envie de tester celle-là. Donc là. Donc les gars, moi je prendrais peut-être un... On va voir dans les claviers. Les gars, je prendrais le K55. Hein. Parce que sinon, je vais me faire daronnette, gros. Ils vont me dire, Bedrevo, arrête d'acheter des claviers, hein, t'es chiant. C'est ça, en fait. Au pire, les gars, vous savez quoi, pour clavier souris, j'achète un pack. Ça va être moins cher. Voilà. En vrai, en pack... Entre le K55, vu que le K55 je le possède, je ne le prendrai pas. Moi j'hésiterais quand même le petit Cooler Master. En termes de casque, je prendrais le G432, j'ai vraiment envie de le tester. En termes de micro, ce que. Blue Snowball, j'aurais peut-être une vidéo. Le Third Space. Je ne testerai pas ces deux trucs, les gars. Je testerai que les périphériques. Donc, les gars, s'il y a. Si. Comme. Je vous tiens le pari, les gars. Je vous tiens vraiment le pari cette année, mais qu'il y aura du lourd sur la chaîne YouTube, les gars. La chaîne YouTube, on va tout casser sur YouTube, les boys. Donc, les gars, en vrai, c'est. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des meilleurs plans. Dites-moi des idées de vidéos. De mon vidéo Fortnite, les gars. Lundi, nous ferons une petite vidéo Rocket League. Et mardi, on fera une autre vidéo. Donc, c'est une vidéo. Je vais essayer. Pendant que je vais faire une vidéo de pas jour, je vais voir si ça change un peu. Du coup, les gars, je vous aime. Peace.